Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui du coup pour parler pâle et parler pâle du coup de hiver, Noël, tout ça, hein, voilà. Donc j'ai essayé de me construire une pâle avec ce que j'avais à peu près l'intention de lire dans les 3 prochains mois. Donc il y a forcément un petit peu de toi, vous connaissez, je suis un style plutôt éclectique. Et bon bah il n'y a pas tout qui est acheté non plus, vous savez, voilà. Ah, si vous me suivez depuis il y a un petit moment, que voilà, ça fait une semaine et demie que j'ai emménagé dans mon nouveau chez moi, donc c'est un peu compliqué au niveau, on va dire, achat ou quoi. C'est pas la priorité du tout, en tout cas les bouquins au niveau des achats c'est bien autre chose. Donc voilà, pour mettre dans l'ambiance, je me suis préparé un petit chai. Donc pour moi c'est un thé un peu de Noël, hein, c'est un thé épicé dans ma petite tasse de Noël également. Et j'ai essayé de faire ambiance un peu Noël, et j'ai plus grand chose. Donc voilà, j'ai des petites lights comme ça. Et là j'ai des petites guirlandes, mais vous les voyez pas, elles tombent juste où il faut pas par rapport à la vidéo. Donc l'angle est pour le moment incertain, ce sera peut-être pas cet angle-là qu'on aura à chaque vidéo. Voilà, c'est le prémisse là, on tâtonne, voilà. Donc vous savez que c'est les débuts ailleurs, donc on va voir si autre chose ira mieux plus tard. Mais voilà, aujourd'hui je voulais vous filmer ma pâle d'hiver. Et en parlant d'hiver, on va aussi... Je peux faire le dire dès le début, comme ça si les gens restent pas jusqu'à la fin, vous le savez. En commentaire de cette vidéo, vous pouvez également mettre vos conseils du coup de lecture d'hiver de Noël. Et j'espère pouvoir du coup la tourner pour mercredi prochain, cette vidéo. Donc vous avez une semaine pour mettre vos conseils. Et ce que j'aimerais cette fois-ci, c'est que quand vous mettiez vos conseils, que vous vous dites pourquoi ce livre pour vous est bien à lire en hiver ou à Noël ou même en début d'année. Enfin, vous voyez, bah, l'hiver en global, quoi, tu vois. Comme ça... Voilà, je pourrais bien expliquer en quoi vous avez fait ce choix. Ce sera plus facile pour moi et peut-être aussi pour les autres pour voir voilà, ce qui peut les intéresser dans ce bouquin. Donc voilà, si vous mettez un livre, mettez juste en dessous à chaque fois pourquoi vous le considérez comme une bonne lecture de Noël. Ce serait cool. Voilà. Donc j'attends tout ça en commentaire pour pouvoir faire la vidéo la semaine prochaine. On va donc commencer avec ma pâle d'hiver. Et on commence avec le livre que je suis actuellement en train de lire. Hein, voilà. Donc je suis en train de lire Un hiver inoubliable à Vert Cottage de Lucy Daniels. Et c'est aux éditions Prisma. Voilà, j'avais adoré le tome 1 que j'ai lu cet été. Et voilà, on continue. Alors, c'est petit, hein, là je suis qu'à une quarantaine de pages. Voilà, en ce moment la lecture est un petit peu dure, hein, la situation, tout ça. Mais juste ces quarantaines de pages, ça m'a déjà fait du bien. Donc voilà, j'ai envie de retourner un petit peu plus dedans. Aujourd'hui, jusqu'à 15h30, je n'ai pas grand-chose à faire. Donc je pense que il y a des chances que voilà, je me mette vraiment dedans. En plus, voilà, j'ai fait ma déco de Noël, tout ça. Je suis plus encore dans le mood de Noël. Donc voilà, celui-ci est déjà en train d'être lu. Alors j'essaie voilà, de faire des petites catégories. Donc là, on va partir vers un livre vraiment Noël. Christmas, you know. Je ne les ai pas tous reçus. J'en ai encore un qui est en réception. Qui sur Vinted, hein, voilà, il voyage, voilà, il arrive bientôt par ici normalement, cette semaine en tout cas. Et il y en a certains que j'aurais peut-être acheté, mais quand je vois qu'on est déjà le 6, je me dis que peut-être, et j'aimerais bien lire tout ça avant Noël, voilà, je préfère lire les livres de Noël avant Noël, excusez-moi. Après Noël, c'est plus Noël pour moi. Bon, on va dire un max vraiment jusqu'au 31 décembre, ça peut passer dans ma petite tête. Mais voilà, je sais pas, c'est peut-être des livres que j'ai envie d'acheter plus tard, je ne sais pas encore. Donc à voir, mais en tout cas, voilà, ceux que j'ai en ma possession, je vais vous les présenter. J'ai donc Meilleurs vœux et Va au diable de Émilie Parisot, et c'est chez Hugo Pocket. Celui-ci, il est tout petit, donc ça va être une lecture très rapide, et j'en ai entendu que du bien. Apparemment, il est drôle, il est fun, et il est plutôt cool. Et la couverture est toute mignonne avec les petites maisons comme ça, et puis la neige. Enfin voilà, celui-ci, je me suis dit vraiment, ça va être la lecture, c'est genre un week-end, tu vois. C'est manger, c'est gober, quoi. Donc voilà, j'essaye pas de mettre voilà, la barre trop haute, mais ceux que j'ai pris, c'est quand même des qui sont pas sortis cette année, enfin en tout cas qui sont sortis l'année dernière en grand format et qui sont sortis cette année en poche ou voilà, 1 ou 2 ans, et qui ont voilà, des bons retours. J'ai vraiment fait attention à bien prendre des bouquins qui m'intéressaient au niveau du résumé, au niveau de l'ambiance, tout ça. Parce que je sais qu'il y a des années où j'ai un petit peu acheté en mode boulimie de Noël, vous voyez, et t'achètes des livres, ah, le titre est bien, tout ça, nana. Et puis après, tu te rends compte que ben, ils restent dans ta palle et que tu les lis pas et qu'en fait, ils t'intéressent pas au niveau du sujet, tout ça. Et j'ai pas eu envie de faire ça cette année. J'ai vraiment réfléchi cette année, vraiment. Donc ensuite, nous avons un petit Sarah Morgan. Qu'est-ce que Noël sans Sarah Morgan? L'année dernière, j'ai fait un Noël sans Sarah Morgan, je crois. J'ai donc pris les vœux secrets des sœurs McBride. C'est chez HarperCollins Poche.
J'aime toujours autant HarperCollins parce qu'ils font des petites paillettes comme ça pour les bouquins de Noël, j'aime trop. Par contre, celui-ci, bon, c'est Sarah Morgan, on est plus sur du 500 pages, hein, souvent. Ouais, on est sur 500 pages pile, waouh! Et c'est écrit plutôt petit chez HarperCollins. Donc, on va voir celui-là, comment je me le réserve, parce que j'ai tendance à vouloir quand même lire autre chose entre deux et pas que du Noël pour pas faire justement une overdose. Donc, on va voir. C'est vrai que souvent les Sarah Morgan, ça commence bien avant Noël et après tu as un petit peu Noël et après la fin. Peut-être celui-ci, après Noël, pourrait être pas mal. Voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, sans spoiler évidemment, juste si ça passe après Noël aussi ou pas. Mais donc voilà, Sarah Morgan, souvent c'est une valeur sûre. Bon, évidemment, c'est avec le dernier que j'ai lu que j'ai pas trop aimé. Mais on fait l'impasse. Ensuite, un que je voulais aussi depuis un petit moment, du coup, qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas. Joyeux Noël et laisse-moi tranquille de Eve Borelli. Et c'est chez HarperCollins Poche également. Voilà. Il est tout beau. Donc celui-ci a l'air hyper fun, vraiment. Juste le pitch là comme ça, et j'ai entendu que de très très bons retours. Et pareil, il n'est pas très gros, il fait 230 pages. Ça sera lu aussi très rapidement. Donc voilà, c'est ce que j'aime aussi dans la romance de Noël, c'est que c'est pas forcément trop trop établi. C'est pas très grave, tu vois. Si ça fait moins de 300 pages, je trouve que ça passe. Des fois, même si c'est un peu trop long, c'est un petit peu trop. Tu vois, tu vas avoir trop de rebondissements un peu étranges, tout ça. Là, t'es sûr, ça va à l'essentiel. C'est ce qu'on veut. Voilà. Passer un bon moment. Truc léger, quoi. Et pour finir, je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn. Et c'est aussi chez HarperCollins. Et la couverture, elle est trop trop belle. Là, j'aime trop. Elle est trop belle. Alors, pareil, quand j'en ai parlé dans mon vlog de celui-ci, quand je l'ai reçu. Mais alors, j'ai été je ne sais pas combien à me dire, mais puis l'année dernière, il m'a fait mon Noël, quoi. Il était trop bien, trop cool, vraiment. Donc, bah pareil, j'ai hâte. Et encore, c'est encore un petit, voilà, 230 pages. C'est ce qu'il faut. Bon, c'est ouf, j'ai écrit petite. Mais voilà, c'est des. Ah, franchement, il n'y a que le Sarah Morgan qui est gros. Mais bon, c'est une habitude de l'autrice, hein, faire des gros bouquins, on va dire un petit peu comme ça. Mais voilà, j'ai pris des petites lectures de Noël, ça va être top. Je le sens, je l'espère. Faut juste que voilà, je me remette dans un mood et que je me remette dans le truc du lire le soir vraiment tout ça. Et dès que je peux prendre un petit moment que mon copain est pas là au boulot tout ça, je suis toute seule, lire un petit peu, même si c'est juste un chapitre. Voilà, avancer tranquillement sur mes lectures, c'est ce qu'il faut. Comme ça, je lirai bien. Parce que là, j'ai perdu la routine en fait. Vous voyez, j'ai plus trop la routine. Il faut que je la récupère. Après ça, on va passer à la jeunesse. Je mets des guillemets. Il y a de la jeunesse, du young adulte, du fantastique. Fin. On connaît les brailles, voilà. Un bouquin que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et que j'avais mis, je crois, de toute façon, dans ma palle d'automne, parce que voilà, pour moi, il est en demi-saison, mais j'ai voulu le garder finalement pour l'hiver. Il s'agit de Magie à minuit, de Benjamin Reed et de Laura Trider, et c'est chez Nathan. Moi, j'aime toujours autant cette couverture, c'est trop beau, plein de couleurs, tout ça. Donc, ouais, ça, je me dis, pareil, entre deux bouquins de Noël, ça peut être cool, c'est écrit très gros. C'est de la jeunesse, on va partir d'une aventure, donc voilà, je pense que j'avais envie d'avancer dedans. Donc voilà, mais pareil, j'ai lu de très très bons avis dessus. Donc voilà, j'avais envie de le mettre vraiment pour Noël, celui-ci. C'est vrai que souvent, oh my god, excusez-moi, ils sont tombés. Donc, je disais, souvent en fin d'année, j'aime bien lire voilà, de la jeunesse. C'est quelque chose que voilà, je trouve ça assez rapide, j'aime bien. C'est vrai que souvent, printemps-été, je suis plus dans les romans un peu plus adultes. Donc voilà, on est parti sur une lecture un petit peu plus rapide. En espérant que je le fasse vraiment. Alors, comme je vous disais, il y a un petit peu de tout hein, dans la jeunesse. Du coup, j'ai mis Fangirl de Rainbow Rowell. Et là, c'est chez qui? Macmillan. Donc, c'est le livre en anglais. J'ai la version française aussi que j'ai lue il y a 4 ans, je crois. Ouf, ouais, au moins 4 ans. J'avais lu aussi en fin d'année, si je ne me trompe pas. Et voilà, je m'étais dit, je vais me lancer dans la version anglaise. J'avais commencé un petit peu quand j'étais à la librairie. C'était en Belgique avec Juliette que je l'ai acheté. J'ai commencé à le feuilleter et à voir que voilà, je comprenais ce que je lisais, le langage était bon pour moi, c'était. Ça allait, le niveau va aller. De toute façon, j'ai la version française, si je bug, j'y vais et je regarde, et voilà. Donc celui-ci, je pense le lire plutôt. Dès que je finis, par exemple, je suis en train de lire Jane Eyre le soir. Dès que je finis Jane Eyre, je pense lire celui-ci le soir, lire un chapitre, vous voyez, à chaque fois. Voilà, je suis pas pressée, je connais l'histoire donc. Ça, en lecture du soir, je trouve que ça peut être vraiment cool. Ensuite, là, on va partir sur quelques petites reliques que j'ai au moins depuis 2 ans. Donc, je pensais lire, sûrement en début d'année plutôt, Forget Tomorrow, quand il est sorti, j'en ai entendu parler, mais un truc de malade, de Pintip June, je ne sais pas comment on dit, Jan. Donc, ça, c'est chez Lumen. Ça fait super longtemps que j'ai pas lu un bouquin Lumen, c'est un truc de malade. Mais voilà, l'histoire, je l'ai acheté.
c'est que l'histoire m'a vraiment intéressée. Donc là, on est dans une dystopie. Ça fait super longtemps que j'ai pas lu de dystopie. Je peux même pas dire quelle était la dernière dystopie que j'ai lue. Mais quand j'y retourne, c'est un petit peu, vous voyez, mon petit bonbon. C'est-à-dire que vraiment, si je tombe évidemment sur une bonne série, un truc que j'aime bien, je passe un excellent moment et à chaque fois je me dis, mais pourquoi t'arrêter les dystopies? Parce que vraiment, évidemment, c'est redondant. Mais le fait d'en lire une ou deux par an, finalement, ça me va, ça me botte. J'aime ça. Voilà. Donc j'espère que celui-ci ne me fera pas défaut. Si je ne me trompe pas, c'est une duologie. Je suis pas sûre. Je vais regarder, mais au max une trilogie, je crois. Une duologie, ce serait bien. Souvent, les humains font des duologies. Par exemple, je pense à The Book of Ivy. C'était une duologie. J'avais quoi encore? Je ne sais plus. C'était aussi une duologie. Souvent, c'est deux. Et ensuite, ça c'était un cadeau, on me l'avait offert. J'ai Shade of Magic de V.E. Schwab. Et c'est chez le même. Encore. J'avais même pas fait gaffe. Je vous avoue, je n'avais pas fait gaffe. Cette couverture est trop trop belle. Et en fait, je crois que je l'ai toujours reporté alors qu'il est écrit très gros. Mais parce qu'il a l'air d'être une grosse bricasse. Mais en fait, quand tu regardes, il fait 500 pages. Donc franchement, ça va. Et alors pareil, celui-ci, quand il est sorti, mais... Tu le voyais partout, tu l'entendais, waouh, encensement, ah, c'est trop bien, là, là, là. Et donc voilà, on va voir, on va découvrir ça. C'est vrai que la couverture est plutôt intrigante. Je vous cache pas que je sais plus du tout de quoi ça parle, donc autant y aller un peu les yeux fermés. Donc celui-ci, je pense lire pareil aussi en début d'année. On va plus partir vers janvier-février pour ces bouquins-là. Mais voilà, j'ai quand même hâte de enfin découvrir après tant d'années cette série. Ah voilà, oh, vous connaissez mon amour pour les retards niveau lecture, j'adore ça. Moi j'arrive après tout le monde, c'est comme ça. Mais il en reste encore, c'est pas pour autant, il en reste encore, ils sont là. On continue encore un petit peu avec les reliques. Donc j'avais Juliette qui m'avait offert, oh là là, je crois que la luminosité est pas bonne. Oh je suis désolée, on va faire comme ça. Ah on est mieux là, évidemment qu'on est mieux. Cette fenêtre, je vous jure, je l'adore, mais pour filmer c'est horrible. Donc, désolée. J'ai pas mes lunettes donc je vois pas forcément très très bien au niveau de la luminosité. Juliette m'avait passé, même donné en fait, parce que finalement elle avait pas accroché je crois, les trois premiers tomes de Autre Monde. Et ça fait super longtemps qu'elle les avait donnés. Hein. Oh, oui, oui, oui. Du coup, et ben, je me suis dit, c'est un peu aussi le bon moment non, pour commencer cette saga. Donc c'est de Maxine Chatham et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Alors pareil, celle-ci, on en a entendu parler. Voilà. Si je me trompe pas, apparemment les trois premiers. Si je me trompe pas, sont très très bons et après à mon avis, si je... pareil encore je me trompe pas de ce que j'ai entendu, ça part un petit peu, voilà. Donc peut-être c'est une saga un petit peu trop longue, mais j'ai envie voilà de tester, d'essayer. Pareil on est à 400 pages, c'est pas énorme. Et puis ça fait toujours un petit peu du bien voilà, de partir dans du fantastique comme ça. En plus j'aime beaucoup Maxime Chatham, donc on va voir ce que ça donne dans ce style-là. Voilà, jamais lu de fantastique de sa part, on va voir. Ensuite j'ai une trilogie que ma soeur m'avait offert il y a pareil super longtemps. C'est Witch and Wizard de James Patterson et de Gabriel Charbonnet. James Patterson, il fait plutôt des thrillers, lui, non? On est d'accord? Je ne me trompe pas d'auteur. Ah. Donc ça, c'est chez Hachette, donc j'ai les trois. Et c'est vrai que je laissais traîner. Puis là, je me suis dit, allez, des sorciers, tout ça, vous allez me dire, peut-être en automne, ça aurait été mieux, Juliette, oui, aussi. Mais voilà, moi, j'aime bien lire ça aussi en globalité, fin d'année, hein, pas que automne. Je me suis dit voilà ça pouvait être cool aussi pareil entre deux bouquins. C'est écrit gros et ça fait moins de 350 pages donc je vous dis que c'est un petit peu parfait voilà. En espérant voilà, que j'accroche puisque j'ai la trilogie au complet. Croisons les doigts. Et ensuite la relique des reliques. Des reliques. Je crois que ça va faire plus de 5 ans que je l'ai dans ma palle. Il est encore sous blister. C'est-à-dire que ouais je peux revendre vraiment neuf à prix coûtant quoi j'ai envie de dire. Il s'agit de La Conspiration de Maggie Hall de la collection R. Donc voilà. Vraiment, il est emballé ce bouquin. Hein. Je ne l'ai pas découvert quoi. C'est au moment où Leclerc emballait encore comme ça leurs bouquins. Maintenant, ils le font beaucoup moins. Hein. Vraiment, tu les as souvent, ils sont juste comme ça quoi. Donc on va voir. Je me suis dit que ça peut être une histoire, enfin un mélange un petit peu cool. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu un bouquin de ce style-là, donc on est aussi sur une dystopie. Souvent dans ces dystopies de ce style-ci, il y a quand même aussi pas mal de romances, tout ça, et je me dis, bon, ça peut-être un petit peu alléger le truc. Donc, à voir, vraiment, à voir. Mais je crois que j'en avais entendu plutôt des bons avis, hein, si je ne me trompe pas, dites-moi si vous l'avez lu, en tout cas si vous avez lu la saga, ce que vous en avez pensé. Mais voilà, celui-ci, je ne sais pas trop vraiment quand je vais le lire, est-ce que je le garde pour le début d'année, ou est-ce que je vais quand même peut-être essayer de le commencer, tâtonner un petit peu en décembre. À voir.
Et aussi, c'est une saga que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. J'avais dit en plus que je voulais lire ce tome-ci en automne. Je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne l'ai pas fait. Il s'agit du coup du deuxième tome de. Attendez, de la Déclaration. J'avais déjà oublié le titre. Qui est donc La Renaissance. Et c'est de Gemma Malley. Et c'est chez les éditions Helium. Voilà. Donc c'était pareil. C'est des tout petits tomes, cette série. Là, on y est peut-être à moins de 300 pages, non? Ouf, on est à 200 pages, donc pareil, il sera lu très vite. J'avais beaucoup aimé le tome 1, on rentrait vraiment dans l'histoire assez rapidement, il y avait un truc qui se développait, tout ça. Donc à voir, là on va être avec l'avenir de Molly. Ah, je pensais qu'on allait être avec Peter. Ah non, on est avec Molly. Ah d'accord, oui, on est alors. Oui. Attendez, attendez parce que. Oh, mais ce soleil! Bon, écoutez, je vais vous rapprocher comme ça parce que sinon le soleil va à chaque fois nous embêter. Je crois que j'ai le tome. Je crois que c'est le tome 3. Parce que là, je viens de me faire spoiler en lisant un truc, mais c'est pas possible, on est au moins 15 ans après là, il y a un souci. Oui. Voilà, c'est ça, c'était l'histoire de Peter, le deuxième. Donc je me suis trompée et je me suis spoilée en lisant juste la première phrase du résumé. Welcome to my life, hein, c'est pas possible. Bon bah du coup, je vais lire La Résistance, c'est le tome 2 de la Déclaration. Putain. Oh, elle est pas possible cette fille, elle est pas possible. Donc elle est un petit peu plus longue, 242 pages. Voilà, je vais essayer de lire quand même en décembre. On va voir, sinon ce sera début janvier. Mais c'est vrai que j'aimerais bien la clôturer assez rapidement, cette trilogie, puisqu'on a le tome 3 en sa possession. C'est donc tout pour ce que je qualifie de jeunesse, hein, voilà. Ensuite, là, on va partir vers un petit trio de. On peut pas trop les classer. Hein, voilà. On commence avec de la New Romance. J'ai donc Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux. C'est de Christina Loren, c'est chez Hugo Poche. Donc celui-ci, j'avais demandé à mon anniversaire. Et voilà, je trouvais que l'histoire avait l'air plutôt pas mal. Et du coup, même c'est Juliette qui me l'a offert et elle l'a lu, elle m'a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé. Donc je fais confiance à Juliette. C'est écrit plutôt gros. On est à 370 pages. C'est une lecture aussi plutôt rapide. Donc voilà, on va voir, on va découvrir du coup l'autrice parce que je n'ai jamais lu de Christina Loren. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, j'ai hâte de la découvrir, vraiment. J'en entends beaucoup parler. On va voir. Ensuite, j'ai Amélie Nothomb avec les prénoms Épicène. Donc ça, c'est chez Albin Michel. J'aime beaucoup Amélie Nothomb, vous le savez. Voilà, j'en ai pas lu cette année. J'aimerais bien la garder pour fin décembre. J'aimerais bien. Vraiment beaucoup. Mais le dernier que j'ai lu d'elle, c'était un coup de cœur incroyable. Donc c'était Frappe-toi le. Enfin, frappe-toi le cœur d'ailleurs. Et on est plus, ouais, du coup, dans une sorte d'histoire de famille, en fait, souvent relation. Le dernier, c'était relation mère-fille. Là, je crois que c'est relation père-fille. Donc, voilà, c'est des petits bouquins. J'aime bien le sujet, j'aime bien comment c'est amené. Et vraiment, enfin, ça a été un coup de cœur pour le dernier. Donc, on va voir pour celui-ci. J'essaie de retomber en mode, pas trop mettre la barre trop haut. Mais souvent, voilà, mais il ne tombe, moi, ça passe ou ça casse. Donc, on va voir. Là, le sujet me donne vraiment envie. Donc, c'est censé passer. Et. Pareil, un autre. Je ne sais jamais trop dans quoi le mettre, mais on adore. Karine, là, on va devoir faire une lecture commune. On avait dit en automne, je ne l'ai pas fait parce que bah, t'as vu ce qui s'est passé, quoi. Mais là, cet hiver, il va falloir qu'on le fasse. Hein. On a le dernier tome entre les mains. C'est donc le dernier tome de la saga de Anne B. Ragde, du coup, la saga des Nechov, qui est donc Les Liens éternels, et c'est aux éditions 10-18. Les couvertures, j'aime toujours autant. Oh, c'est dommage, tu vois que là, bon, bah, c'est 10-18, hein, mais bon. Donc voilà, c'est le dernier tome. Je pense qu'en fait, c'est parce que c'est le dernier tome hein, que j'ai pas arrêté de remettre au lendemain, hein, tout ça. Mais là, il va falloir qu'on le lise. Hein. Je me demande si janvier, ce serait pas bien. Tu me diras, voilà, ce que toi tu en penses. On est à moins de 400 pages, ça pourrait se lire aussi, je pense, assez rapidement. Après, on va voir moi aussi comment moi je travaille. Ouais, je parle à Karine, là, on est entre tête à tête. On verra, on s'organisera ça, tu me diras toi ce que tu préfères, évidemment. Mais donc voilà, j'ai hâte de le lire et en même temps, on freine un petit peu, voilà. Et là, on va partir vers une brochette de thriller. Oui, parce qu'on aime. J'aime bien. Enfin, une petite ambiance, vraiment. Un peu flippette, un peu, voilà, thriller, policier, enquête, en fin d'année et aussi en début d'année, hein, voilà. Donc j'en ai une petite ribambelle là, où on en a un petit peu plus d'une dizaine. On y va du coup. Il y en a certains, je pense, vous avez de toute façon, j'ai déjà dû les mettre dans des pales cette année ou l'année d'avant. C'est fort possible, voilà.
J'ai donc Débâcle de Lise Spitt et c'est une édition Actes Sud. Qui, c'est étrange, hein? Que c'est pas passé, ah, c'est passé Actes Sud, pas Actes Noir. Parce que c'est vrai que normalement, les Actes Sud, Actes Noir sont noirs sur le côté. Donc celui-ci, il avait fait plutôt, on va dire, apparemment un peu polémique tout ça, parce qu'il y a des sujets plutôt trash dedans. Mais bon, souvent chez Actes Sud, t'as toujours un petit côté où tu dis, c'est genre la Millennium ou quoi, tu dis, je vais vomir, attendez 2 secondes. Donc bon voilà, apparemment voilà, j'avais des collègues du coup qui l'avaient lu et qui vraiment avaient dit que ça retourne un peu mais bon ça va encore quoi, et apparemment l'histoire est plutôt intéressante tout ça, mais bon ma vie non plus ça casse pas, prends pas un canard non plus quoi. Bon on va voir, je pense que c'est pour ça que pour le moment il y a un petit peu retardé, que ça fait un peu plus d'un an du coup je l'ai, c'est la demi-teinte de mes collègues qui m'a un petit peu fait repousser le truc et je vous rebouge encore hein. On va faire comme ça. Voilà, écoutez, parce que là, il n'y a plus la fenêtre et on est tranquille, parce que là, c'est pas possible. Je bois, moi, mais est-ce que j'ai encore mon rouge à lèvres? Oui, à peu près. On le repart un petit peu dans les poches. Il y en a un que j'ai acheté il y a quelques mois, mais je l'ai gardé spécifiquement pour cet hiver. C'est donc Un assassin parmi nous, de Shari Lapna, et cette édition Pocket. Alors, celui-ci, apparemment, c'est une tuerie. Je me trompe pas, on est dans une sorte de huis clos. Et bon, bah, il va y avoir des meurtres dans un hôtel, c'est ça? Oui, dans un hôtel. Et bon, bah voilà, quoi. Enfin, j'ai vu, mais alors que des bons avis dessus. C'est un truc de malade, vraiment, t'as rien. T'as personne qui t'a dit, ouais, bof. Non, j'ai lu que des bons trucs dessus. Donc j'ai extrêmement hâte de le lire. Celui-ci, je pense qu'il va être lu en décembre, vraiment. À peine je l'ai acheté, j'ai eu envie de le lire. C'est vraiment, je me suis retenue parce que. Parce qu'il y avait de la neige, il y avait de la neige, donc voilà. Que voulez-vous? On est toujours comme ça. Non, cette fenêtre est vraiment chier. Hein. Bon, je crois qu'on va devoir changer d'angle, hein, parce que là, ça va pas être possible de changer à chaque fois l'angle de la caméra, à chaque fois. Ça va me saouler. Donc, un qui me fait un petit peu peur, puisque le précédent que j'ai lu, je l'ai trouvé bof. Ah, voilà, c'est un Lisa Garner et c'est Preuve d'amour et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, bon, pas pareil, il y avait de la neige sur la couverture. Je me suis dit, bon, c'est sûrement que c'est en fin d'année, hein, voilà. Donc, on va voir parce que oui, le premier du coup que j'ai lu il y a 2 ou 3 mois, je crois, j'avais trouvé bof. Vraiment, il n'y avait pas de rythme, il n'y avait pas de truc qui disait, ah, je vais savoir. Vraiment, c'était boum. Et quand tu as eu la révélation, tu te dis, ah ouais, ok, bof, ouais, bof, quoi. Et t'as l'impression que la police n'avait absolument rien foutu sur l'enquête. Enfin voilà. Donc, il fait presque. Oh, il fait 500 pages en plus. Donc, j'ai un petit peu peur. Je vous cache pas que j'ai un petit peu peur. Celui-ci, je l'ai mis dedans, mais on va voir. De toute façon, là, j'ai jusqu'au mois de mars, à peu près, hein, pour les lire. Donc, celui-ci, je pense pas le lire en décembre parce que j'ai pas envie de me freiner en décembre. Parce que déjà, le mois a pas commencé ouf. Donc voilà, petit à petit. Ah, celui-ci me fait trop envie. La fille sous la glace de Robert Brinsda. Ah, putain, je confonds le D et le Z, ils veulent pas se mettre dans le bon ordre. Peut-être le D se dit pas. Brinza. On va dire comme ça. Et c'est chez Pocket, encore. Hein. De toute façon, souvent les thrillers, c'est chez Pocket. Vraiment, là, il me donne trop envie le résumé. C'est un truc de malade. Donc lui, il y a une grosse possibilité qu'il soit lu pour fin décembre, vraiment. Et je connais pas du tout l'auteur. Donc à voir, peut-être aussi, nouvelle révélation auteur thriller, ça pourrait être pas mal. Je suis toujours en petite quête, de toute façon vous le savez, au niveau des thrillers, j'aime bien aller bidouiller un petit peu comme ça, et puis après revenir voilà, sur les auteurs du coup qui ont été révélés et que j'aime quoi. Donc voilà, j'aime bien en avoir quand même plusieurs pour pas toujours partir dire, sur le même déroulement d'enquête, ou enfin, vous voyez le truc quoi, la même trame. Donc voilà, peut-être, croisons les doigts. Ensuite, là, j'ai pris Valeur Sûre, voilà, j'ai pris Puzzle de Franck Tillier, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. C'est toujours chez Pocket, hein. Oui, bon, ça change pas, c'est Pocket jusqu'au bout. Donc voilà, Franck Tillier, ça a été la révélation pour moi cette année, justement, un auteur français de thriller. J'en ai déjà lu 2, j'ai beaucoup... Non, 3, j'en ai lu 3. J'en ai lu 3. J'ai beaucoup aimé, voilà. Donc j'ai Puzzle dans ma palle depuis 5 ou 6 ans, au moins 6 ans je pense, c'était une collègue qui me l'avait donné, qui était fan de Franck Tillier, je comprends pourquoi. Et donc voilà, je l'ai et je vais vraiment le lire. J'aimerais bien le lire pareil, soit décembre, soit janvier, celui-ci, pour être vraiment dans l'ambiance fin d'année. Voilà, apparemment c'est une sorte de huis clos dans une sorte de vieil hôpital psychiatrique je crois, un truc dans le genre. Enfin bon, ça a l'air un petit peu flippant, donc ça va être cool. Ça va être cool, Franck Tillier, il me fait bien flipper à chaque fois, j'aime bien. Et enfin, je commence cette saga.
cette trilogie. J'ai donc Le Cri de Nicolas Beuglé, Audition Pocket. Pareil, ça se passe à un hiver, vous le voyez, comme moi, vous le voyez. Bah pareil, j'aimerais bien le lire soit décembre, soit janvier. Celui-ci pour vraiment être encore un petit peu dans l'ambiance hiver. Et voilà, la couverture est trop belle, j'avais même pas fait gaffe. La baraque, elle est. Ça fait baraque, hein. Donc voilà, Nicolas Beuglé, on entend parler depuis moult, moult temps, cette trilogie depuis moult, moult temps. Dès qu'il y a un nouveau Nicolas Beuglé qui sort, boum, best-seller, boum, ça fonctionne bien, boum, c'est génial. Donc voilà, je veux faire partie de ces gens qui disent, oh, Nicolas Beuglé, ouais, je connais, ouais, effectivement, j'adore, tu vois. Sans trop se la péter non plus, mais voilà. Je pense que les gens, en fait, font pas ça. Je crois pas que les gens font ça. Et on continue toujours dans le truc un petit peu enquête, thriller, allez, je vais y arriver. Là, on va avoir des bouquins que j'ai souvent mis dans des pales parce que j'ai souvent eu espoir de vouloir les lire et finalement ils étaient là et puis je les ai pas lus. Mais nous allons essayer. J'ai donc encore, oui, parce que je l'avais mis dans ma pile d'automne, Une affaire de Steens de Agatha Christie, donc c'est un Hercule Poirot et c'est chez l'édition Club des Masques parce que j'ai des très très vieilles éditions. Voilà. Bon, c'est tout. C'est écrit un tout petit, hein. Et c'est tout petit. Celui-ci, j'ai pas souvenir parce que je suis une grande fan de la saga Hercule Poirot en série. J'ai pas souvenir de l'avoir vu. Alors peut-être que là, je veux pas, j'ai pas envie de dire le résumé, mais peut-être que quand je serai dedans, vous voyez, je vais me dire, ah bah oui, évidemment. Mais ce que j'aime aussi avec les Hercule Poirot que je regarde en série, en tout cas, c'est que, parce que j'en ai lu que un, j'avais lu Carte sur table en bouquin. C'est que j'ai beau regarder 36 000 fois le truc, je ne me souviens presque jamais de qui est l'assassin. C'est un truc de malade. Donc, c'est pour ça que j'aime cette série. Je peux la regarder 10 fois, je suis comme oh, putain, c'était lui, j'avais oublié. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Bah du coup, j'espère voilà, pouvoir bien me lancer dans la saga Hercule Poirot et pouvoir le lire en décembre. J'aimerais bien le lire en décembre celui-ci. Ce serait pas mal. Ensuite, j'ai un spécial Noël également. Donc ça, c'est une trilogie de base et après il y a Retour à River Falls qui fait que c'est notre trilogie. Voilà. Du coup, si je ne me trompe pas, c'est le dernier tome de la première trilogie de Alexis Hobank. Donc c'est un Noël à River Falls et c'est chez le livre de poche. C'est un beau bébé quand même, hein, celui-ci, il fait presque 600 pages. Alors j'avais beaucoup aimé le tome 1 de la saga, le tome 2 était un petit peu... On était redescendu comme ça. Donc on va voir ce que donne ce tome 3. Je pense que c'est pour ça, je crois que je l'avais mis d'ailleurs l'année dernière dans ma pile d'hiver, Noël, tout ça. Et je ne l'avais pas lu parce que justement le tome 2 avait été en demi-teinte. Donc voilà, faut que je redonne un petit peu la chance à la trilogie. Surtout que j'ai le tome 1 de la deuxième trilogie, le retour du coup à River Falls. Parce que je m'étais trompée en fait quand j'avais acheté. Je pensais que c'était un tome 2 en même temps que j'avais acheté le tome 1 de la première trilogie. Enfin voilà, j'étais un petit peu embrouillée. Donc voilà, il faudrait quand même que je le lise pour pouvoir continuer la saga et voir ce que ça a donné. Faudrait peut-être que ouais, si je lis le résumé, peut-être que ça me donne un petit peu. Noël, un drame vient de... Ouais, ah, d'accord. Oui, ah, oui, bon bah j'ai envie de le lire. Suffit de lire le résumé en fait, c'est tout con. On n'y pense pas, ça va lire le résumé, pour se donner envie. Pareil, celui-ci je l'avais mis dans ma pile d'automne. Bon, on va essayer de le lire début d'année, je pense celui-ci. Le Bois des Ombres de Barbara Driebersch, je pense qu'on le dit comme ça, et c'est chez Les Escales. On va voir ce que ça donne. Oh, il est pas très gros, il fait moins de 350 pages. Et l'histoire était plutôt intrigante. On a un truc avec un truc un peu du passé, un hôpital psychiatrique, des carnets. Enfin, vous voyez, il y a un truc un peu enquête de famille. C'est une petite fille du coup qui va enquêter sur ce qui est arrivé à sa grand-mère il y a de ça pas mal d'années, quoi, en 1943, tout ça. Donc voilà, j'étais intriguée plutôt par l'histoire. Donc je pense que me le garder pour le début d'année, celui-ci, janvier, ce serait peut-être plutôt pas mal. À voir, et en tout cas j'ai vraiment eu de très bons retours dessus. Normalement c'est du tout bon. Et on part sur normalement des valeurs sûres parce que j'ai toujours aimé tous leurs bouquins. Ah, voilà, Joël Dicker, pareil, je crois que je l'ai mis l'année dernière dans ma pile d'hiver. Et cette fois-ci on croise les doigts, on va y arriver Juliette, on va y arriver. Donc c'est La Disparition de Stéphanie Meller et cette audition de Fable à poche. Je pense. Je pense que je vais réussir cette année à le lire. Je vais peut-être le garder pour janvier-février, celui-ci. J'ai toujours aimé les Joël Dicker. Mais j'ai fait ce que je devrais pas faire. Enfin, surtout pour les auteurs que j'aime, j'ai regardé les avis passés quand le bouquin est sorti. Et les avis étaient vraiment en demi-teinte.
Et ça m'a fait un peu flipper parce que moi j'ai toujours beaucoup aimé les Joël Dicker et que bah, justement ceux que j'avais aimés, les avis ont toujours été très très bons, voire excellents. Donc là je me dis, attends, c'est en demi-teinte, peut-être que je vais être d'accord avec tout le monde et que ce sera en demi-teinte pour moi aussi. Donc on va voir. On a une enquête, une disparition, il y a quelque chose qui se passe. Ça change un petit peu du coup de ce que j'ai lu avant par l'auteur. Quoique, bah non, pas vraiment, non, parce que non, l'affaire avec Hébert, il y avait quelque chose, hein, évidemment, il y avait une enquête, tout ça. Et quoique le deuxième aussi, les Baltimore. Il y avait un petit truc, hein, il y avait une disparition, il y avait quelque chose. Bon, on a à peu près sur le même truc, je pense quand même. Oui, du coup, je dis de la merde. Je ne cherchais pas. Je viens de me contredire en 10 secondes. Mais bon, voilà. Je vais essayer de passer outre tous ces avis. Il y a un moment, de toute façon, ce que je vais faire comme je fais à chaque fois. Quand je ne sais pas quoi lire, j'ouvre, je commence. Et puis c'est du Joël Dicker. Je vais avoir envie de finir. C'est comme ça. On va pas se prendre la tête. On va commencer. On va lire les premières pages. Et bim, c'est censé aller tout seul. J'ai dit censé, ouais. Et le dernier, oui, parce qu'il y a une fin à tout, le dernier physique hein, que j'ai pour le moment, évidemment. Bon, un Agatha Raisin, hein, quoi de mieux qu'un Agatha Raisin, donc de MC Beaton, et c'est chez Albin Michel. Alors celui-ci, je me dis, j'aurais peut-être dû le lire finalement cet automne, puisque c'est Gare aux fantômes. C'était plus mode Halloween, fantôme, tout ça, non? Oui, bon, moi j'aurais pensé. Mais j'ai pas fait gaffe au titre que j'avais acheté, évidemment. Oui, moi j'étais obnubilée par le fait que je voulais lire celui de Noël, mais il faut que je lise encore 4 bouquins pour lire celui de Noël. Ce sera l'année prochaine, hein, du coup. Sachant souvent que de toute façon, les Agatha Raisin, ça se passe sur 2-3 semaines. Donc on n'est pas que en période, voilà. Hein, des fois même plus longtemps, ça dépend un peu comment c'est écrit. Mais voilà, pour moi c'est toujours une valeur sûre, ça se lit souvent. En une journée, une après-midi, 2 jours si je suis vraiment occupée. Donc c'est vraiment le truc tu... On le mange compulsivement, en tout cas pour ma part, j'aime trop ça. Voilà. Donc c'est tout pour ma pale physique pour le moment, et j'ai envie, comme à chaque fois, je ne l'ai pas fait pour cet automne et pourtant j'aurais voulu, j'ai envie de continuer du coup L'Épouvanteur de Joseph Delaney, ouais, donc ça c'est chez Bayard. Je ne sais plus à quel tome je suis, j'hésite d'ailleurs soit à me l'acheter pour le lire justement début décembre, mais je me dis j'aurais peut-être pas le temps, soit tout simplement à demander la suite pour Noël, je trouve que ce serait pas mal. Je vais voir pour demander peut-être la suite pour Noël. Et j'ai également très envie, vous savez, voilà, je l'avais dit de toute façon, de lire le tome 2 de Hôtel Heartwood, qui est donc un tome spécial hiver. Oh, je sais plus, je vous le noterai, et je sais plus non plus le nom de l'autrice et de l'illustratrice. Voilà. Mais comme toujours, vous avez tout en barre d'infos, n'est-ce pas? Et vraiment, là, c'est les deux que j'ai envie d'acheter sur le moment. Pour cet hiver, pour Noël. Vraiment, Hôtel Heartwood, j'espère, je vais pas le demander à Noël. Je le veux très rapidement, donc je vais aller me l'acheter très très bientôt. Après, il y aura peut-être des romans illustrés justement que je m'achèterai, des BD ou des choses comme ça, au moment où je vais aller acheter Hôtel Heartwood, j'ai un peu traîné par là-bas. Là, j'ai rien trop en tête, j'aimerais continuer Les Souvenirs de Mamette. Ou c'était Mamette? C'est Mamette ou c'est Les Souvenirs de Mamette? Qu'est-ce que j'ai? Je ne sais plus. C'est juste là, mais on n'a pas ses lunettes, du coup, on ne peut pas lire, puisqu'on est extrêmement myope. Donc non, moi j'ai juste Mamette et j'aimerais bien continuer du coup cette BD. Je crois d'ailleurs que je vais devoir la commander parce que je la trouve jamais en librairie. Il va falloir que j'aille en librairie pour la commander, en espérant que ça prenne pas trop, que ça prenne pas trop de temps pour la recevoir. Après c'est pas une saga spéciale Noël du tout, mais bon voilà. Et aussi, pourquoi pas demander encore des Enola Holmes parce que j'aime trop ça, lire ça en hiver, tout ça. Vraiment les BD, j'aime trop lire ça en hiver. C'est lecture rapide, tu t'as un petit thé, tu bois, c'est trop bien, quoi. Voilà, tu te mets un faux feu de cheminée dans ta télé, parce que t'en as pas de cheminée. Et t'as l'ambiance parfaite, quoi, pour la BD, j'adore ça. Surtout que c'est des couleurs très chaudes, en tout cas Enola Holmes, j'aime beaucoup. Donc voilà, continuer un peu là-dessus et voir ce qui est sorti aussi peut-être en manga. Voilà. Pour moi, j'ai pas de manga vraiment en tête. Je vais continuer les Degryman, comme à chaque fois. Ça va arriver, ça va tâtonner. De toute façon, vous verrez ça en vlog, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour ma pale d'hiver. Évidemment, comme toujours, hein, voilà, ça va se fignoler, il y a des choses qui vont se rajouter, tout ça. Mais voilà, là, pour moi, la fixe, c'est celle-ci. On y va, on y croit. Si je ne me trompe pas, j'ai 23 bouquins en physique. Bon, du coup, 25 ou 26, si on rajoute ceux qui vont arriver. Hein, voilà. Et j'aimerais aussi... Ah oui, j'ai oublié. J'aimerais aussi lire et du coup finir. J'avais prévu pour cet automne, et pareil, je ne l'ai pas fait parce que ma liseuse, je l'ai vraiment rangée et que je lis sur liseuse, celui de cette saga-là. J'aimerais donc finir la trilogie du Gang des Prodiges. Voilà, parce que tant que c'est encore frais dans ma tête, faut y aller. Je me souviens comment le tome 2 se finit. J'ai lu cette année, si je ne me trompe pas d'ailleurs. Oui. Et j'aime trop cette trilogie. Et j'aimerais du coup, si le tome 3 me plaît, je voudrais me les acheter en physique. Parce que du coup, j'ai le tome 1 en vrai bouquin.
C'est dur de dire. Parce que je crois qu'on me l'avait offert, d'ailleurs je l'avais demandé, c'est pour ça. Ou alors je me l'étais acheté sur un coup de tête. Peut-être plus ça, grosse possibilité. Ouais. Et vraiment, j'ai trop aimé les deux premiers tomes. Enfin, franchement, si le troisième tome se foire pas, on va acheter le tome 2 et le tome 3 à coup sûr. Voilà, croisons les doigts. J'espère pouvoir, j'aimerais pouvoir le lire en ce mois de décembre, vraiment. Donc, voilà, là c'est fini. A pu. Fini. Je vous jure. Pour le moment. Donc, moi je vous fais de gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à noter vos bouquins, vos conseils du coup de lecture de Noël, en notant aussi pourquoi voilà, vous aimez ces bouquins et pourquoi vous les conseillez pour cet hiver et pour Noël. Moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve du coup la semaine prochaine avec un vlog et je vous dis bonne lecture.